On force même pas. Faut pas forcer de la vie. Ne force pas dans la vie, mon frère. 211 personnes en ligne, nous sommes à 2 minutes. Connectez-vous, je vais parler, chers camarades. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, je suis et donc le patriote Herman, cyberactiviste panafricain, membre de l'AES, citoyen nigérien, malien, burkinabé et américain. Pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Impossible de rentrer dans ce pays d'origine. Ceci montre donc la connotation politique ou bien la couleur politique en Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'Abidjan veut museler ou cherche à museler les citoyens de ce pays qui sont à l'extérieur des frontières et qui veulent donner leur point de vue. Un frère du nom de Steve Biko Luraga est en train de souffrir entre leurs mains. Il n'a jamais volé. En Côte d'Ivoire, il est condamné pour cela. Il n'a pas tué quelqu'un. Il a simplement parlé. D'aucuns disent qu'il a insulté le premier magistrat, le chef de l'État, le père de la nation. D'aucuns disent qu'il a voulu faire coup d'État, attentat. Chose que je regrette, je rejette en bloc. Parce que Steve Biko n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Je dis bien 3 fois par jour. Même moi-même, via ma grande chaîne, où on était à 141 000 abonnés l'année dernière, qui a été supprimée. Vu le combat, ils ont supprimé cette chaîne. Ils n'ont rien fait. Parce qu'on est déjà à 60 000 sur cette chaîne YouTube. Donc, ils n'ont rien fait. Mais bref, sur cette chaîne-là, un monsieur m'a demandé de le mettre en contact avec Steve Biko pour qu'il lui donne quelque chose. Et ça a été chose faite. Je ne vous dirai pas le montant, mais au moins ce monsieur, un ancien militaire, a aidé Steve Biko à pouvoir acheter son sac de riz à cette époque. Donc, arrêter Steve Biko et le torturer présentement, je dénonce cet état de fait parce que quel que soit ce qu'il aurait dit, qui est regrettable et qui est débordant, on sait très bien que Steve Biko n'a jamais été militaire. Steve Biko, c'est même pas comment on attrape plus télé. Steve Biko n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. C'est simplement la chat. C'est simplement le jeu politique. Il a attaqué, il est allé fort. Je pense que pour un pouvoir qui a fait la rébellion, un pouvoir qui a dénoncé hier qu'on marginalisait ses frères et ses parents, ne peut pas venir faire pareil. Et pire que ce que l'autre pouvoir a fait. Parce que le président Gbagbo Ouédraogo a été insulté. Lui-même, le président Alassane Ouattara, il a tenu des propos qu'un candidat ne tient pas. Pendant qu'il n'était pas encore ivoirien. Pendant qu'il n'avait pas le certificat de nationalité à son âge là. Mais il a tenu des propos. Qui sont aussi des propos de coup d'état ou de rébellion dans le pays. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. S'ils vont, on va tout niagami. Je vais cueillir ce pouvoir comme une mangue mûre. C'est des propos qu'on ne tient pas. Surtout pour un monsieur qui ne pouvait même pas prouver sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. Et un tel monsieur vient au pouvoir et il fait pire que ce que les autres auraient fait. Chers camarades, je voudrais planter ce décor. Chers camarades, peuple d'Afrique, actuellement là où je vous parle, à San Pedro s'est tenu hier des exercices militaires. Entre le pouvoir d'Abidjan, entre les militaires d'Abidjan, l'armée ivoirienne et l'armée française. C'est des choses qu'on n'a jamais entendues ni vues en Côte d'Ivoire. Exercice militaire. C'est à leur 2e édition. Mais pourquoi c'est maintenant là, à la fin de l'année, au lieu d'attendre en même temps 2023? Pourquoi c'est maintenant là qu'ils sont en train de faire? Nous sommes presque en décembre. C'est juste qu'ils sont en train de lancer un message. Mais le message peut prendre deux voies. Je crois et je pense que le pouvoir d'Abidjan, son premier message, c'est de dire aux gens qui sont en face que nous sommes prêts. Nous allons nous défendre. Mais le deuxième message, le plus voilé, c'est qu'ils ont un peu peur. Comme le disent les autres cyberactivistes,
Ils ont vraiment peur. Moi, je ne suis pas pro-rebelle, ni pro-rébellion. Même si les soi-disant rébellions pourraient arranger l'opposition, chose que nous ne soutenons pas au PPACI, mais je ne suis pas pro-rébellion. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon camp qui sont fâchées. Je le sais. Les trois vidéos, quatre parutions où je proposais qu'il y ait donc des négociations entre Dramane Ouattara et Soro Guillaume de Ferke. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont énervés. Il y a d'autres cyberactivistes pro-rebelles qui m'ont bloqué parce que je dis des choses que personne ne dit sur la toile. Ça, je suis la seule personne à proposer cela. Et c'est ce qui fait ma particularité parce que je ne suis pas le troupeau. Peu importe le nombre de vues ou le nombre d'abonnés que mes postes me donneront. Mais je parlerai selon ce que moi je pense d'abord. Et je pourrai analyser, réfléchir par rapport à ce que l'autre a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je vais vous montrer très rapidement un élément vidéo qui est très court. Et puis, on va continuer notre analyse pendant que vous êtes presque 500. On y va, chers camarades. On y va, chers camarades. Ça fait 1 minute 43 secondes. Vous allez voir vraiment l'exercice militaire qui s'opère actuellement à San Pedro. Vous savez qu'il y a de l'eau à San Pedro. Donc, ils sont en train de faire l'exercice militaire de l'air, terre et mer. Donc, des bateaux ont été mobilisés. Ils ont pris quelques chars, je crois bien. Et ils sont en train de s'entraîner. Au cas où il y aura des attaques, ils vont réellement se coordonner pour défendre. Pour se défendre. On va écouter, chers camarades, s'il vous plaît. Une opération amphibie depuis le porte-hélicoptère amphibie Mistral dans la région de San Pedro, située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Un débarquement pour sécuriser une plage et ensuite s'enfoncer plus loin dans les terres afin de s'emparer d'un objectif. Ainsi, deux unités ivoiriennes, le bataillon de sécurisation du sud-ouest et les fusiliers marins commando et deux détachements français, un groupement tactique embarqué de la mission Corimbe et les éléments français en Côte d'Ivoire effectuent conjointement cette opération. Nous sommes à l'exercice baptisé Sogo Dieg 2023 qui a pour but de favoriser l'échange de compétences opérationnelles entre les deux armées. Nous sommes actuellement au cours de la phase de préparation au moment d'accostage du PHA. Il y a eu des activités de partenariat militaire opérationnel entre les FUMACO et le BSSO. Et nous nous appuyons sur notamment la connaissance du terrain du BSSO pour aider nos éléments de la FORA. Sogo Dieg 2023 est à sa deuxième édition. Il a été marqué par la présence du général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, qui se félicitait du partenariat entre les armées ivoiriennes et françaises. Pour rappel, à travers ces exercices et formations, les forces armées de Côte d'Ivoire continuent leur montée en puissance afin de maintenir leur capacité opérationnelle et être en mesure d'assurer la défense opérationnelle du territoire à travers les trois dimensions. Terre, air et mer. Voilà. Donc, vous avez bien entendu, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que c'est un Français qu'on a vu parler dans le petit reportage. Et c'est lui qui est devant l'écran, qui montre les tactiques, pendant que les éléments de l'armée française sont assis. Donc, actuellement, donc vraiment, je vais demander, avec votre aide et votre permission, qui commande qui? C'est l'armée française qui commande l'armée ivoirienne ou c'est l'armée ivoirienne qui commande l'armée française dans leur soi-disant opération pour sécuriser le territoire? Je pense que au temps de M. Koudou Laurent Gbagbo, cette même armée française était sur le territoire. Elle ne nous a pas défendus. Cette même armée française, au contraire, a défendu la rébellion. Donc, il faut comprendre clairement le but de cet exercice militaire. C'est juste pour se préparer en cas d'attaque de la part de Guillaume Soro. C'est tout. Parce que vous savez, comme je l'ai dit hier, un voleur, quand on le vole, il a très mal. Quelqu'un qui a l'habitude de voler, le jour que l'on volait, ça fait très mal.
Le pouvoir d'Abidjan sait très bien comment il a réussi à prendre le pouvoir, à arracher le pouvoir d'entre les mains du président Laurent Gbagbo, qui a été investi, qui a été proclamé président de la République par notre Cour suprême. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je viens vous informer que l'armée française commande l'armée de notre pays actuellement. Or, ça ne devait pas être le cas. C'est l'armée de la Côte d'Ivoire qui devait être devant et l'armée française doit venir en appui. Parce que ce n'est pas leur pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France. Pourquoi c'est un général français qui parle et puis les autres sont assis? L'armée ivoirienne est assise et puis ils sont en train de prendre des instructions. Pourquoi? Parce que la France est plus développée, mais plus armée que la Côte d'Ivoire. Donc je dénonce cette manière dont nie notre pays. Je dénonce cela. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où il y a des bases militaires étrangères. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui va toujours salir le nom de notre pays? Ça, c'est grave. Et aucun élément ivoirien n'a parlé. Aucun noir n'a parlé. Dans leur élément, c'est le blanc qui a parlé. Ils ont fait trop, puis c'est fini. Chers camarades, vous voyez, nous disons ici à l'État de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Parce que je ne pense pas que Guillaume Soro fera encore une rébellion. Et si ça échoue, il fait comment? Si ça échoue, il va dire encore c'est un autre combat qu'il a fait et les gens vont mourir. Donc le pouvoir d'Abidjan a peur aussi. Le pouvoir d'Abidjan a peur, mais le pouvoir d'Abidjan se prépare. Ah oui, on peut dire qu'il a peur, mais il se prépare à toute éventualité. C'est pour dire, c'est le lieu de dire à ces Ivoiriens qui sont devenus bizarrement amoureux de la rébellion et des coups d'État là, des coups d'État bizarres. C'est le lieu de dire à ces personnes, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire que mais Ibrahim Traoré que tu soutiens tant, il a fait un coup d'État, mais il n'y a pas eu de tuerie. Vous savez très bien, c'est pourquoi j'ai dit hier, il y a une chose est de faire une rébellion, une autre chose est de faire une rébellion contre Dramane Ouattara. Ça fait deux choses distinctes. Faire une rébellion contre Gbagbo Laurent ou n'importe quel président et faire une rébellion contre Dramane Ouattara qui est venu par la rébellion au pouvoir et dont tous ces éléments sont encore avec lui, ça fera beaucoup de pertes en vies humaines. Ça ne veut pas dire que je suis devenu RHDP. Ça ne veut pas dire que je suis devenu RDR. Ça veut simplement dire que je me soucie de mes compatriotes, de mon peuple et de ma patrie. Parce que je suis patriote. Un vrai patriote ne peut pas soutenir une rébellion. Quelle que soit la raison. Parce qu'une rébellion, ça va dénaturer le pays. Ça va mettre fin à plusieurs milliers de vies. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il serait mieux de chercher une autre voie. Et si tu penses que tu es du PPACI, il faut suivre la voie que notre parti est en train de suivre. Il faut suivre la voie de notre président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un homme qui fait des coups d'État ou qui fait des rébellions. Il faut que ça soit clair. Le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui fait la politique. Et j'ai vu des gens ici, quand je parlais contre le responsable de toute cette ambiguïté inespérable, cette ambiguïté profonde, ce tohu-bohu dans lequel nous sommes plongés, jusqu'à Ivoirien espère à une rébellion, à un coup d'État, pour qu'un président quitte le pouvoir. Le responsable est connu. Mais combien de fois j'ai été frappé, insulté. Des gens qui ne peuvent même pas me parler dans la vraie vie. Ils ne peuvent même pas. C'est juste devant lui, il ne va pas parler. Il ne peut même pas parler. C'est pour faire comme les témoins ont fait à la CPI. Il y a prendre photo avec toi. Il y a des gens là. S'ils me voient vis-à-vis là, c'est pour chercher à prendre photo avec moi. Mais quand il est derrière là-bas, il fait comme s'il me déteste. À cause de votre bourreau. Et maintenant, je viens
Contrairement à vous, je le soutiens d'une autre manière. Et mon soutien que j'accorde à Guillaume Soro peut lui sauver la vie par rapport à votre soutien. Parce que la plupart de tous ceux qui insultent les gens à cause de Guillaume Soro là, ces gens-là m'insultent parce qu'ils comptent sur Guillaume Soro pour faire la rébellion ou pour faire le coup d'État. Mais dans le coup d'État ou la rébellion, Guillaume Soro peut rester dedans. Mais moi, mon soutien que je lui apporte, contraint de votre manière de me traiter, ce soutien que je lui apporte, s'il écoute, sa vie sera épargnée. Parce que le ministre de la Sécurité de Côte d'Ivoire actuel, il a lancé un premier pas. Il a dit Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais comme je ne suis pas ministre de la Justice, je ne peux pas me prononcer sur le mandat. Mais ce que je sais, c'est que Guillaume Soro peut rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Il peut avoir une issue de négociation. Je vais vous montrer un élément qui peut nous aider à comprendre ceci. Un petit débat qu'on va écouter ensemble. Et vous allez voir les personnes qui vont essayer de donner leur point de vue. Voilà. Ça va nous aider à évoluer tout, un peu dans notre direct de ce jour. Et on pourra se laisser chercher. Sur cette question. Voilà. Donc ça fait 11 minutes, je vais piocher juste au milieu pour ne pas perdre trop le temps. Donc c'est aussi à travers... Prochaine question à Alain Toussaint, que devrait faire Abidjan? Jusque-là, on n'a pas encore eu de communication. Qui peut le plus, oui. Peut le moins. C'est-à-dire il faut de nouveau tendre la main à Guillaume Soro, discuter avec nos partenaires du Burkina, du Mali et du Niger, et avec le Togo, pour que cette rencontre-là, qui ouvre un certain nombre de champs de possibles, puissent se faire. Je pense qu'il est temps peut-être de regarder la réalité en face et puis ne pas forcément y voir une forme de belligérance. Voilà, je pense que c'est l'attitude d'un homme qui est seul. C'est une forme d'expression aussi politique. Aujourd'hui, vous pensez franchement que le Burkina soutiendrait un coup d'État contre l'État ivoirien ou le Mali ou le Niger? Moi, je n'y crois même pas. Mais pourtant, le ministre ivoirien de la Sécurité, de la Sécurité, M. Vagondo, du Monde, a bien précisé qu'il peut rentrer dans son pays. Donc pour vous, il devrait venir affronter la justice ivoirienne. Il peut rentrer chez lui d'abord. Et après, je pense que c'est un détail. Le point de la justice viendra après. Mais déjà, en tout cas, la porte semble être ouverte puisque le ministre dit Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire il veut. Alors, merci Edith Herman, justement, sur ce point. Quand le ministre dit qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il a dit, mais en même temps, quand le journaliste, le confrère qui lui posait la question a insisté, il a dit que c'est la question de la justice. Il n'est pas le moyen de séparation. Permettez à Herman de s'exprimer, je vous en prie. Quand on le dit ainsi, c'est comme si lorsque le ministre Vagondo demande à ce que Soro puisse venir en Côte d'Ivoire, il n'aura rien. Et en fait, il n'aura rien. Il n'est pas le ministre, permettez qu'il parle. Lui, il répond. Donc, Guillaume Soro, il est conscient qu'il y a quand même une poursuite judiciaire qui l'attend. Tu as révélé tout à l'heure que ses proches sont en errance dans d'autres capitales, en Afrique comme en Europe. Et lui, il est dit, du moment où je veux revenir sur sa chute, lorsqu'on se dit que toutes ces balades de Guillaume Soro ailleurs, parce que c'est pas nous, ça crée une certaine frénésie, c'est lui qui nous soulève ici, le message qu'on attend que Soro donne, pourquoi est-ce que Abidjan aussi n'envoie pas aussi ces messages? C'est ce que c'est justement Alain disait. La réconciliation, c'est pas à sens unique, c'est les deux. Vous avez le même point d'Alain. Très bien. Font des efforts. Merci Alain. Oui, Élisée. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on soit. Élisée, vous dites que ça a l'air suspect. Non, il faut qu'on soit. C'est cela ou je me trompe? Qu'est-ce qui a l'air suspect? Vous dites tout à l'heure que lorsque. Les voyages. Justement, Alain Toussaint exprimait son point sur les voyages. Non, Alain Toussaint a dit qu'il ne pense pas que tous ces voyages-là, ou bien aujourd'hui que Bamako, ou bien Ouagadougou, ou Niamey, pourraient participer éventuellement à une volonté de déstabilisation d'Abidjan. C'est pas que je dis non, il n'y a rien de moins sûr. Mais rien n'est moins sûr aujourd'hui. Mais attends, aujourd'hui, là, ils cherchent à légitimer ce qu'ils ont fait poser comme action. Mais attends, ils sont pas arrivés au pouvoir par les voies démocratiques. Mais vous pensez que quoi? Ils veulent aussi que quelque part aussi ça fasse tache d'huile. Qu'on sache que justement, toute cette Afrique de l'Ouest dont on parle là, ce que nous on a posé comme action là, c'est une action qui est voulue et qui est entendue dans l'ensemble des pays. Donc aujourd'hui, si. Alors, pour laisser continuer le monsieur qui parle, je sais pas qui il est. Mais vous entendez son argumentaire. Il dit que Ibrahim Traoré ne sont pas venus au pouvoir démocratiquement. Il nous reste seulement 2 minutes pour le débat et je vais poursuivre tout seul. Je veux dire aux frères que mais
Alassane Dramane Ouattara n'est pas venu au pouvoir démocratiquement. Je sais que ça ne fait pas plaisir au pouvoir d'Abidjan. Et c'est à cause de ça on nous contraint à rester en exil. Quelqu'un qui n'est pas politique, qui n'a pas mangé avec le pouvoir des Gbagbo, qui n'a jamais été quelqu'un en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais été militaire, qui ne les menace pas. Mais le fait que je dise présentement que M. Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir démocratiquement, ça fait déjà de moi une cible. Mais c'est la vérité. S'il était venu au pouvoir démocratiquement, la rébellion, pourquoi la rébellion a eu lieu? Parce que la démocratie, c'est d'abord le respect même de la loi. En Côte d'Ivoire et dans tous les pays, les élections se déroulent comme suit. C'est la commission électorale indépendante qui doit proclamer les résultats en octobre. Je pense que c'est le 25 ou combien d'octobre là. C'est que dès que les élections finissent, la commission a jusqu'à minuit pour proclamer les résultats. Si minuit est passé, que le président de la commission ou le porte-parole de cette commission n'a pas proclamé les résultats, automatiquement c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême qui prend le relais. Et tout le monde doit rester suspendu aux lèvres donc du président de ce dernier recours donc concernant les décisions électorales. Donc monsieur comment il s'appelait Tia Koné, non c'est pas Tia Koné, c'est qui, comment Paul Yaoundé, je crois bien, si je ne me trompe pas, aidez-moi. Ils ont invalidé les endroits où les calages et les pustelés sont allés voter. Les partisans de M. Alassane Dramane Ouattara qui se sont érigés en force nouvelle dans un pays, un candidat à une force. Ça, c'est du jamais vu, mais on va l'accepter. Les éléments de M. Alassane Dramane Ouattara, qui se sont érigés en une nouvelle force, hormis nos forces nationales, police, gendarmerie et autres, sont allés dans les bureaux de vote pour saccager les bureaux de vote, pour chasser les éléments de Gbagbo Laurent et pour émager eux-mêmes. Lorsque toutes ces régions ont été invalidées, on prend les résultats qui sont là, où tout a été consigné, validé par tous les commissaires centraux. Ils sont d'accord, consolidés, et on proclame. Et c'est là qu'on découpe. Même malgré ça, M. Gbagbo Laurent est passé avec 51 ou même combien de pourcents. Ça veut dire vraiment, M. Henri Konan Bédié a joué un grand rôle. Parce que les Baoulés ont obéi à la voix de leur chef pour soutenir la rébellion et pour voter pour Alassane Dramane Ouattara, qui était donc de l'autre côté. Chers camarades, c'est ça qui est la vérité. Si M. Paul Yaoundé voulait jouer les mauvais jeux, il n'allait même pas proclamer un tel résultat. Il allait mentir sur le résultat. Il allait dire Gbagbo Laurent 78% et l'autre côté, les 23%, les 33%, les 38%, mais je ne sais pas combien, les 28%, mais les 22%. Il pourrait faire ça. Il pourrait dire M. Gbagbo Laurent 80%, Dramane 20%. Non, mais quand on a invalidé, il a pris ce qui est sous ses yeux et il a proclamé. Gbagbo 51 quelque chose, Dramane André c'était 49, j'oublie un peu. Ça prouve la bonne foi du pauvre Yao Paul Oundé. Mais ils l'ont contraint encore à reconnaître la victoire de Dramane. Donc, il a proclamé deux présidents et deux présidents ont été investis. Jusqu'à présent, là, il y a deux présidents en Côte d'Ivoire normalement. Le premier investi, le premier Gbagbo Laurent, et le deuxième investi en seconde position. Mais c'est la seconde option qui nous dirige, parce que c'est cette seconde option-là qui avait les armes. Et les armes, ça fait peur. On parle pas trop devant les armes. Chers camarades, voici le décor qui est planqué. Donc quand le monsieur dit ici que il ne croit pas que... Parce que il y a l'ancien porte-parole de M. Gbagbo Laurent qui vient de parler. Un indigne, mais c'est pas grave. Qui vient de parler et qui dit que non, il ne croit pas que Ibrahim Traoré puisse aider Soro Guillaume à faire une rébellion ou un coup d'État. Et lui, il vient retoquer pour dire, mais eux-mêmes, ils ne sont pas venus démocratiquement. Alors moi aussi, je retoque pour dire, mais vous n'êtes pas venus démocratiquement. Alassane Dramane Ouattara n'est pas venu au pouvoir par les élections. On est d'accord. Il y a eu des élections. Mais c'est les armes qui l'ont mis là. Parce que les résultats des élections étaient déjà consommés. Gbagbo avait déjà fait. Il a même eu le temps de faire. Comment on appelle ça, son gouvernement. C'était déjà consommé. Et il y a eu des mois. Je pense que c'est 4 mois plus tard qu'ils ont été Gbagbo Laurent. En avril, je crois. Il a fait son gouvernement. Je pense que c'était le gars, le doyen, avec beaucoup de cheveux là, qui était premier ministre. J'oublie un peu son nom. Akengbo, je crois bien. Akengbo était premier ministre. Et c'est dans ce gouvernement-là que Blé Goudé était ministre de la Jeunesse. Et tout était consommé. Les gens faisaient même déjà les petits discours, mais les petits trucs là, conseil des ministres, tout ça. Et Soro Guillaume nous a contraint le pays à se mettre en genoux, notre constitution à se mettre en genoux. Tout le monde s'est mis en genoux, des milliers de personnes sont décédées pour qu'Alassane vienne au pouvoir. C'est l'histoire qui le dit.
Et si ce que je dis là, ça doit me valoir le prix que je dois payer pour ne pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas le changer. Quand je propose que M. Guillaume Soro aille demander pardon à Alassane Drama Ouattara, ça ne veut pas dire que j'ignore, parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont dit que tu es devenu alassaniste. Oh, tu as trahi la lutte. Oh, tu as retourné la veste. Donc Alassane n'est plus celui qui est du côté de la rébellion. Donc il n'y a pas eu rébellion. Donc tu soutiens Alassane. Non, c'est la vérité, je dis. Je sais pertinemment que M. Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir par les armes. C'est la rébellion, c'est depuis 2002. Ce n'est pas une rébellion flèche. Ce n'est pas une rébellion éclair. Ça a commencé depuis 2002. Presque 10 ans de rébellion pour qu'ils prennent le fauteuil qu'il a pris là. C'est la vérité. Les pro-Ado eux-mêmes le savent. Puisque eux-mêmes, ils étaient remplis dans la rébellion. Il y a les images. Il faut taper rébellion 2002, ça va sortir. Et il faut regarder les images qui vont sortir. Mais c'est les éléments de Alassane Ouattara. Tous ceux qui étaient les chefs de rébelles là, ils sont avec lui aujourd'hui. Tio Fosier, qui encore? Ouattara, bon, lui, il est mort. Il y a qui encore? Vecho, il y a qui encore? Kone Zakaria, il y a qui encore? Tous ceux-là sont avec lui aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que Herman propose quelque chose qu'il a trahi une quelconque lutte. Il faut qu'on se comprenne très bien là-dessus, chers camarades. Vous serez frustrés pour rien. Parce que vous allez croire que j'ai trahi. Demain, vous allez venir, j'attaque Alassane Dramane Ouattara. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas l'insulter à Alassane, ta mère, comme ça, je ne dis pas ça. Je ne peux pas l'insulter. Je ne peux pas aussi soutenir une rébellion, une quelconque rébellion, un quelconque coup d'état de la part de Guillaume Soro. Parce que tout ça, ça nous a fait du mal. Les gens sont morts par milliers. Donc ce n'est pas parce que je propose. Et il y a des gens qui disent que non, il fait semblant. C'est juste pour se fâcher contre nous, il va revenir sur sa décision. Quelle décision? Est-ce que ce que je propose là, c'est diabolique? Quand je dis à Guillaume Soro d'aller demander pardon à la Saint Ouattara, est-ce que c'est diabolique? Ce n'est pas diabolique. Ça gâche le mangement des soulards de Paris et autres. Jusqu'à y a l'autre, là, la fille mince là, qui m'a bloqué. Et parce que je suis son ami, je suis son camarade. Toi-même, depuis, ce n'est pas mariage que tu peux dormir dans la maison. Tu allais louer maison toute ta vie. Voilà, je ne suis pas ton ami. Vous voyez, cette fille-là, même m'a bloqué parce qu'elle est énervée. Puisque si ce rogue fait ce que je viens de dire, là, c'est eux qui vont perdre. Moi, je serai toujours le même Herman le patriote. C'est ça qui est la vérité. Donc, je voulais répondre à ce monsieur-là très rapidement pour dire que il ne faut pas seulement dire que les autres sont venus illégalement. Voilà. Dramane Ouattara est venu au pouvoir aussi illégalement. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas me détester pour cela. On ne peut pas me dire que non, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire pour cela. Sinon, ça n'a pas de sens. Puisque je peux le démontrer. Il était à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe était le QG politique de Dramane. Et c'est là-bas que tous les rebelles étaient réunis. C'est de là-bas qu'ils sont tombés sur la présidence et sur la RTI. On est d'accord. Pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître l'histoire? Toi-même, tu es du là et puis tu me regardes. Là, ce qu'il dit là, c'est faux. Toi, tu es du nord, tu me regardes. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il n'y a pas une rébellion en Côte d'Ivoire. Kone Zakara n'a pas dit à Boakombe au nord, c'était à Korogombe ou quoi là. Il n'a pas dit c'est Alassane Ouattara qui nourrissait nos hommes. La vidéo est toujours là, il parlait du là, il a dit ça. Il dit c'est Alassane Ouattara qui nourrit nos hommes. C'est pour lui que nous nous battons. Même il y a une petite vidéo là où les gens de MPCI, les gens de Soro Guillaume là, ils ont parlé. Ils disent que nous, on n'est pas venu pour les blabla. On est venu pour tuer, on est venu pour ado. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi nous sommes, chers camarades. C'est triste. Et moi, je me suis préparé depuis longtemps avant de rentrer. Hein. Votre Côte d'Ivoire, là. Et moi, je l'ai dit. La seule chose qui me faisait truc, ça fait la troisième fois que je le dis maintenant, c'est que j'ai une camarade là-bas, ou j'avais une camarade là-bas, parce que moi-même, je ne réponds même plus à ses messages. Elle a écrit tout récemment et je ne réponds pas. Parce que moi-même, elle ne m'intéresse plus. Voilà. Parce que quand tu dis tu aimes, là, tu dois payer le prix. Bref. Donc, vous comprenez, c'est ce que je voulais dire, chers camarades. On va poursuivre. On va terminer rapidement les propos du monsieur et puis on va poursuivre. Quand on parle là, ce que nous on a posé comme action là, c'est une action qui est voulue et qui est entendue dans l'ensemble des pays. Mmh. Donc aujourd'hui, si demain on leur disait, s'il y avait cette possibilité là, que le régime d'Abidjan tombe et qu'il y ait une transition. On va aller jusque-là, il non, attends, je suis en train de dire que c'est pas justement de dire c'est leur intention. Je dis, rien ne nous dit qu'ils seraient contre une telle alternative dès l'instant que eux-mêmes sont arrivés au pouvoir par cette alternative. Donc rien n'exclut ça. Non, moi, c'est une réalité. Mais c'est pas ça là, c'est pas ça oui, l'essence de mon intervention. Allez-y. L'essence de mon intervention. C'est sur la question, éventuellement, comme il le disait, de la réconciliation et de tout ce qui va avec. Moi, je dis et je le répète, pour moi, quand le régime d'Abidjan, à travers son ministre de l'Intérieur, dit que M. Soro Guillaume peut rentrer dans son pays, mais si vous vous souvenez très bien, cette phrase-là, elle a été dite pas pour M. Soro Guillaume, mais pour Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé par le président de la République. Mais quand il finit de dire ça, là,
C'est des tractations qui se font derrière. Mmh. Quand on te dit ça, on ne te dit pas de prendre le premier billet d'avion qui vient et puis tu descends sur Abidjan, c'est pas ce que j'avais dit. Mmh. Derrière ce qu'on est en train de dire, on dit quoi? Il y a la possibilité, il y a l'ouverture du dialogue et des négociations pour qu'on puisse arriver à une situation d'accalmie. C'est ce que ça veut dire. Je pense qu'il est suffisamment mature pour comprendre ce langage-là. Mmh. Donc on n'est pas en train de te dire, demain tu prends le premier billet de Air Burkina et puis tu descends à Abidjan, c'est pas ce que j'avais dit. Mmh. Ça veut dire qu'on est ouvert. Il faut venir maintenant et qu'on discute. Très bien. Il y a des possibilités de créer une situation d'accalmie et que les choses se repartent de plus belle. Alors, merci. Merci beaucoup. Il reste une minute. Il y a Herman Aboa qui allait parler, mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. On va pas terminer les une minute. Voilà, le temps court. Nous sommes à 32 minutes du direct. Alors, voici ce que le monsieur a dit. J'avais dit ici que pour que le président Laurent Gbagbo, président des peuples, du parti des peuples africains, pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire, il y a eu, ce qu'ils ont dit en bon français, des tractations. Il y a eu des négociations, si vous voulez. Négociations, c'est qu'on parle. L'autre parle, moi je parle. Bon, et si on fait comme ça? Non, si on fait comme ça, ça sera comme ça, on n'a qu'à faire comme ça. Ça veut pas dire que Gbagbo a trahi. Ils ont simplement échangé et négocié. Bon, moi je vais venir le 17, déjà vous devez connaître la date avant que je dise ça. Donc, ouvertement, pour ne pas que vous vous sentiez frustré, comme si je vous ai manqué du respect. Donc, je viendrai le 17 et je vais annoncer à mon parti, ils vont annoncer au peuple de Côte d'Ivoire que je viens le 17. Vous le savez déjà. Ah, le 17, ok, il n'y a pas d'événement majeur, tu peux rentrer. Bon, tu prends le pavillon? Non, je ne vais pas prendre le pavillon, je vais prendre le vol normal. Bon, et l'avion Grumman? Non, Grumman, je ne prendrai pas, il y a trop de violations. Bon, il n'a pas dit ça, mais c'est moi qui l'ai dit. Tout le monde sait que ça, comme ça, Babou l'aura à refuser. Si Koudou Laurent Gbagbo a refusé le pavillon, c'est parce que à cette période-là, il y avait trop de violations. Donc, Gbagbo a dit non, je vais prendre le vol normal comme tout le monde et je vais prendre la porte normale à l'aéroport. Je ne passe pas par le pavillon présidentiel. Donc, il y a eu des tractations. C'est ce que le monsieur dit. Donc, concernant Guillaume Soro, il doit avoir des tractations. Donc, le pouvoir d'Abidjan ou les débatteurs d'Abidjan et moi-même, nous sommes sur la même longueur d'onde. Parce que je veux qu'il y ait des tractations, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait, c'est ce qu'on appelle en français terre à terre, va demander pardon. Parce que entre le pouvoir d'Abidjan et Soro Guillaume, s'il y a des tractations, qui sera soumis à l'autre? C'est Soro Guillaume qui sera soumis. C'est lui qui va accepter les propositions du pouvoir. Bon, nous, on veut que tu viennes en 2025. Ou bien après les élections 2025. Ou bien tu peux rentrer maintenant. Bon, si tu viens là, nous, on veut que tu fasses comme ça. C'est comme ça se passe, hein? Ah oui! Le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ça a été pareil. Toi, Blé Goudé, là, on te connaît ici. Tu as bouche. Si tu viens ici, là, est-ce que tu nous garantis que tu n'as pas fait bouche? Tu n'as pas attaqué le pouvoir? Tu n'as pas rappelé encore les choses de la rébellion? Même si moi-même, j'étais quelqu'un et que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, ce que je viens de dire dans ce direct-là, je ne peux pas dire ça en Côte d'Ivoire. Ça n'est pas dit que j'ai trahi, mais c'est ça qu'on appelle les tractations. Il y aura toujours quelque chose qui sera mis sur papier, ou bien par écrit, ou bien par la voix. Forcé. Imaginez-vous que l'Hadji Chérif est le ministre de la Défense. Et moi, je suis un ancien ministre, mais un ancien président, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais l'Hadji Chérif me dira qu'il ne faut plus dire que Drama Ouattara est venu au pouvoir par les armes. Si tu me garantis que tu n'as pas fait ce discours-là dans les parlements et autres, mais tu peux rentrer dans ton pays. Et à moi de dire, ah, l'Hadji, il n'y a pas de problème. Ça s'est passé, je ne dirai plus cela. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais manger mon Dokoumou, je vais manger Kabato. Et l'Hadji me dira, ok, tu rentres. Il appelle Kakabe, Kakabe me laisse rentrer, puis c'est tout. On ne me touche pas. C'est ça qu'on appelle les tractations. C'est pourquoi vous voyez les politiques qui sont sur place. Ils ne peuvent pas dire certaines choses que nous, on peut dire. Mais je pense que le pouvoir d'Abidjan doit le comprendre. Le pouvoir d'Abidjan ne doit pas traquer tous les cyberactivistes, ne doit pas effrayer les gens parce que nous, on parle. On parle parce qu'on n'est pas officiel. Moi, je ne suis pas ministre. Je n'ai jamais été ministre. Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas un officiel en tant que tel. Et l'opposition doit toujours critiquer le pouvoir. Pourquoi le pouvoir d'Abidjan ne veut pas qu'on le critique? Ça, c'est un autre fait. C'est un autre défaut de ce pouvoir. Pourquoi le pouvoir d'Abidjan aime résoudre ses problèmes avec la prison, avec les arrestations arbitraires? Cette femme-là de la société civile, là, elle a été arrêtée, mais c'est de manière arbitraire. Parce que le Mali n'est pas la Côte d'Ivoire. Elle a son papier pour voyager. Elle a payé son propre transport. Elle est partie au Mali. Si vous avez des problèmes avec le pouvoir malien, est-ce que c'est son problème? Est-ce qu'elle est du gouvernement? Est-ce qu'elle s'appelle Kandia Camara? Elle ne s'appelle pas Kandia Camara? Elle ne s'appelle pas Madame Bildozer? Elle n'a pas de compte à vous rendre? Elle prend son billet, elle rentre au Mali. Même si le Mali a un problème de manière diplomatique, ce n'est pas son problème. Elle est civile. Elle dirige même un mouvement qu'on appelle société civile. Mais vous l'avez mise en prison? Vous avez confisqué son téléphone? Son bien privé, vous l'avez confisqué? Elle a refusé de vous donner son mot de passe. Mais vous avez flashé le téléphone, vous êtes rentré à l'intérieur pour voir ce qu'elle dit. Mais c'est sa vie privée.
C'est comme si vous l'avez déshabillé. Ça ne se fait pas dans un pays dit démocratique. Et vous devez accepter qu'on vous critique. Ce n'est pas quand vous allez nous menacer qu'on ne va pas vous critiquer. En tout cas, personnellement, je vais toujours vous critiquer parce que je me sens à l'aise ici. D'ailleurs, même, vous m'arrangez même. Ben, le fait que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, là, quand mes parents me disent, ah, ils disent, ah, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, déjà, je suis en train de fuir même les dépenses inutiles. Tu vas rentrer, ils vont te dépouiller. Ils vont prendre tous tes petits habits, ils vont prendre même chaussures, slips, ils vont tout ramasser. Et puis, ils vont te demander encore, il faut donner l'argent. C'est mieux d'être à distance. Comme ça, les petits western bien limités, là, bien calculés, tu balances. Si on te fatigue, toi, sur WhatsApp, tu bloques. Ou même, tu désactives ton WhatsApp. Voilà. Donc, vous nous arrangez. En tout cas, personnellement, vous m'arrangez. Parce que tout à l'heure, même, ils viennent de manger à Tchéké. À Bodjama. C'est ça, ils viennent de manger. Tout à l'heure, même. Je peux vous montrer même le reste. Je viens de manger à Bodjama. Il y a To ici, mais même To, il y en a ici. Il y a Plakali ici. Il y a Sioko ici. Il y a Akbi ici. Il y a Graine ici. Il y a tout ici. Tout. Un jour, il y a filmé. Mais si il filme là, par rapport à truc, on peut savoir où je suis localisé. Parce que là, ils sont très forts. Ils peuvent lire même les prix là. Ils vont décrypter les prix là pour savoir où je suis localisé. C'est pourquoi je ne filme pas. Sinon, ça y est là, 5 miles. C'est-à-dire à peu près 10 km. Moins de 10 km, je suis arrivé. C'est 15 minutes de conduite. Je vais faire mon marché comme je veux. Il y a quoi? Il y a quoi? Si demain il y a 4 et puis il y a envoyé ma femme là, il y a quoi? Je peux faire 100 ans ici sans partir en Côte d'Ivoire. Donc je vais dire au pouvoir d'Abidjan. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. On dit il y a un gars là. Le gars qui... Et puis lui, il aime beaucoup insulter. Il est du PPS et il insulte. Et on dit il est secrétaire général d'une section. Mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire lui-même, il est plus élevé que moi dans le PPACI. Ce gars-là, dont je ne vais pas mentionner ici. Un jour même, on m'a envoyé, les RDR eux-mêmes, ils ont coupé la partie, ils m'ont envoyé. Mais il est en train d'insulter le monsieur, il ne veut même pas prononcer ça ici. Je ne veux pas répéter ça ici. Il est en train d'insulter, ça dit, il insulte même encore, vraiment, Ouattara. Maintenant, ils ont attrapé, c'est Biko, hein. Lui, il continue. Parce qu'il est en France, il est français. Quand demain, ils vont le piquer, ils vont dire que les gens sont méchants. Quand tu sais que le diable est mauvais, il faut aller à l'église pour éviter le diable. Mais tu es dans le péché, tu es dans maquis, tu n'as pas une vie propre. Et puis tu es frère, tu menaces le diable, il va te frapper. Il va te frapper. C'est dans même France là, ils ont piqué Johnny Pacheco. Hein. Attends, il ne vivait même pas en France, il était de passage, ils l'ont piqué là-bas. Donc je vais dire à ce monsieur-là, il faut arrêter d'insulter. Tu salues même le PPACI. Il y a vu plein de commentaires sur YouTube. Aïe, lui là il insulte, tu dis quoi, lui là il a dit ça, lui là il a dit ça. Il faut arrêter, mon frère, si tu me regardes, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, nous-mêmes, on insulte, mais toi, tu vas trop loin. Tu es musulman, tu insultes comme ça que ton grand-père, qui lui aussi, il s'est dit, les musulmans. Il faut sciencer. Tout ici, là, c'est noir. Mais il faut penser à ça. Même nous-mêmes, on insulte. Moi, quand il insulte, souvent, il peut dire, bon, tes joues, on dirait tant, sur son ventre rempli de caca, ou bien la guêpe, elle, les mains, son dirait truc. Les petits trucs comme ça. Mais rentrer fond fort, là, c'est pas... On n'a qu'à laisser ça au PPA, c'est cher, camarade. Alors, c'est ce que je voulais dire. Alors, chers camarades, je n'ai trahi personne. Merci à la personne qui a mis les 500 étoiles. J'ai oublié de remercier la personne. Merci beaucoup pour les 500 étoiles. Je n'ai trahi personne. Mais vous êtes libre de me bouder comme vous voulez. Vous êtes libre de me bouder comme vous voulez. Parce que je ne soutiendrai jamais un coup d'État ou une rébellion. Voilà. Moi, je ne soutiendrai jamais un coup d'État ou une rébellion. Voilà, puisque mon parti politique ne parle pas de ça, je ne parlerai pas de ça. Et dans mon âme même, je ne soutiens pas ça. Et je sais que tous les cyberactivistes soutiennent ça, sauf moi seul. Au PPACI là, tous les cyberactivistes, tu as cité n'importe quel nom, ils sont en train de soutenir ça. D'autres ne le disent pas, ou d'autres le disent même ouvertement, ils sont en train de soutenir ça. C'est moi seul, je dis, je ne soutiens pas. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil pour des gains personnels, on va mettre la vie des gens... en péril, quand ça va éclater là, eux, ils sont cachés dans leur pays. Suisse, France, Belgique, Allemagne, partout, ils sont cachés. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va souffrir. Ce peuple qui ne mange même pas bien. Les institutions sont toujours tuées. Ils ont encore éliminé une dame. Et puis ses deux enfants, si je ne me trompe pas. Tout récemment, ils se disent, ceci c'est où là? Où Meumbe ou quoi là? Vous voyez? Les gens sont en train de... ils sont en train de cogner nos frères qui font des livraisons de motos. Des choses bizarres. Le peuple souffre. Tout est augmenté dans ce pays. Et vous voulez encore mettre sur le dos coup d'État ou rébellion. Chers camarades, je vais vous faire écouter ici un certain DJ quelque chose. Et lui, je pense qu'il avait fait prison
Mais il continue. Quand il fait comme ça, quand il voit les cils, ils vont dire, oh, à cause de Soro Guillaume, on m'a mis en prison. Parce qu'il soutient Soro Guillaume. Vous allez l'écouter ici. Et il y a longtemps que lui, il fait ce genre de choses-là. Chers Ivoiriens, ne tombez pas dans ce genre de piège-là. Oui. Ne tombez pas dans... On dit, c'est à moi. Ok, merci à la personne. Ne tombez pas dans ce genre de propos et de pièges. Voilà. Ne tombez pas dedans. Chers Ivoiriens, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Hein. Je ne parle pas aux des Ivoiriens qui sont de l'autre côté. Je parle des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Ne tombez pas dans ces choses-là. Si les politiciens ne peuvent pas faire politique pour enlever Dramane Ouattara, rébellion là, ça a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'on est maintenant novice. On a expérimenté ça. Rébellion, coup d'État, tout ça, ça a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas arrangé le peuple. La preuve, tous les hommes politiques là, à part Boga Doudou, Dalou Dali Yoblé, ou bien Dagrouloula, ou bien Désiré Tagro, les autres hommes politiques là, ils sont encore vivants. Leurs femmes, leurs enfants sont toujours vivants. Vous avez vu leurs femmes, leurs enfants qui ont été tués? Ils les ont tous protégés. Guillaume Soro lui-même, il a protégé sa femme, au clair. Tous les blés là, tout le monde a protégé sa famille. C'est à cause de Laurent Gbagbo qui a mis sa famille en danger. Ils étaient tous dans la même prison. Même Soro Guillaume l'a reconnu. Il dit, mais lui, il ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que lui, parce que Koudou Gbagbo Laurent allait faire fuir sa famille comme les autres. Et puis lui, il allait rester. Non. Si vous voulez me prendre, venez me prendre avec ma famille. Puisque les autres Ivoiriens là, leurs familles sont en Côte d'Ivoire. Donc ma famille aussi est en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Michel Gbagbo et tous, on les a pris, on les a frappés à sang. Pendant ce temps, Blé Goudé, sa femme, tout, il les a mis au clair. Il les a dispatchés, on ne sait pas où ils sont. Ils sont bien gardés, bien surveillés. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors je dis ici aux Ivoiriens, ne rentrez pas dans ce genre de choses-là. Ne rentrez pas dans ce genre de choses-là, chers camarades. Ne rentrez pas dans ce genre de choses-là, chers camarades. On va écouter cette petite... Sinon, la négociation, vous voyez que les débats, au centre des débats en Côte d'Ivoire, tout le monde parle de négociation, d'avec Guillaume Soro. S'il y avait d'autres choses, c'est sûr, s'il y avait d'autres options, c'est sûr ces options-là qu'ils allaient perdurer. Mais tout le monde parle de négociation. Vous avez vu le petit débat que je vous ai présenté? Tout le monde parle de négociation. On dit Guillaume Soro, il parle un peu dur, il doit se rabaisser. On dit aussi le pouvoir ne parle pas bien, le pouvoir dit que non, la justice. Donc on parle de négociation. Donc si les politiques eux-mêmes parlent de négociation, pourquoi c'est vous-là qui êtes concentrés sur à faire des choses? Guillaume Soro lui-même là, hier là, mais il parlait de négociation. Hier, je vous ai montré une vidéo où il demandait aux gens de rentrer, que lui-même, il avait la possibilité de faire du mal aux gens dans leur bureau, mais il n'a pas fait. C'est pas lui qui demandait pardon ici. Là où il était ministre de la Défense, il était président de l'Assemblée nationale, il demandait pardon. Maintenant qu'il n'est rien, il refuse de demander pardon. Où est la logique? Où est la logique? Où tu étais quelqu'un et que tu n'étais pas obligé de demander pardon? Il dit, même à Gbagbo Laurent, je demande pardon. Ah bon? C'est Gbagbo Laurent, on met même, parce que Gbagbo Laurent n'est pas digne de recevoir un pardon. Gbagbo Laurent n'est pas quelqu'un à qui on doit demander pardon. Mais comme il était un homme de pardon, un homme de bon cœur, un homme de réconciliation, même à Gbagbo Laurent, il demandait pardon. Si je sais ça ici. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Et même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. C'est tout. Pourquoi vous m'en voulez quand je propose ce que Guillaume Soro lui-même disait? Il dit depuis 2002, je suis un acteur important. Le pays a souffert. Même à Gbagbo Laurent, le diable, je demanderai pardon. Je demande pardon à Dramane Ouattara. Je demande pardon à Konan Bédié. Les Ivoiriens n'ont pas parlé à ce moment-là. Mais maintenant, là où il a vraiment besoin de demander pardon,
Il est faible. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'est plus rien dans le gouvernement. Il a maigri. Il fait l'effort. Ils ont cousu des habits. Ils ont cousu des habits à sa hauteur, à sa taille. On dit non, il a récupéré. Il a rapporté veste. On va voir. Il a qu'à laisser habit comme les pasteurs. Ça, c'est nous, on porte ça. C'est pas lui. Il dit les musulmans, non. Oh bon, il n'est pas. Il dit les catholiques. Bref. Il a rapporté veste. On va voir. Oh, Boubou. Boubou de Djoula, là. Il a rapporté. On va voir. Vous allez voir qu'il a toujours maigri. Vous voyez, il s'est rasé parce que les cheveux étaient sur sa tête, tellement qu'il a maigri. Donc il s'est rasé, bien, il a porté quelque chose qui le sert de partout, comme ça on ne sent pas la maigreur. Il a maigri. Il souffre en exil. C'est son gros cœur qui le fatigue. Alors voilà une vidéo de 1 minute 6 secondes qu'on vient d'écouter, où il parlait de pardon. Et il dit ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, mais écoutez vous-même, écoutez chers camarades, il faut écouter la partie là. Oh. Écoute la partie là. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple. Voilà. Les offenses que j'ai pu faire. Donc, maintenant, on dit que tu as voulu faire coup d'État. On dit que tu as voulu déstabiliser le pouvoir. On t'a même condamné. Et au sein du débat en Côte d'Ivoire, là-bas, on parle de réconciliation, de pardon. On dit que le ministre de la Sécurité a fait un petit geste. Quand il dit Guillaume Soro peut rentrer dans son pays, c'est juste un petit geste pour voir s'il va réagir. Mais les amiral blindés poussent le monsieur. Les Franklin Wanyam Siume quoi là, lui aussi pousse le monsieur dans le mauvais, dans le gouffre, au bord du gouffre. Et ce monsieur risque d'y laisser sa peau. Je vous ai dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Vous allez voir que c'est moi qui aurai raison. Soit il demande pardon, il négocie, il passe par les transactions diplomatiques pour rentrer en Côte d'Ivoire, ou soit il continue dans ça, et puis le sang de quelqu'un va couler dans ce pays. Le sang des gens couleront dans ce pays. Et c'est vous-même là qui viendrez ici pour dire « Ah, affaire là devient bizarre. Affaire là devient bizarre. Affaire là devient bizarre. » Parce que quand ça commence, les gens ne savent pas comment ça s'est terminé. Regardez, chez Hamas, ils sont allés plou, 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 ils ont fait leur show. Jusqu'à présent, là, les gens sont allés Bamougou. 13 000 morts, ça monte seulement. Et ils ont fait 1 000 et quelques. Hein. Mais les autres sont allés partir. Ils ne sont pas prêts pour s'arrêter. On ne sait même pas à quel moment ils vont s'arrêter. Jusqu'à eux-mêmes, là, ils sont allés. J'ai écouté sur France 24, les groupes Hamas disent que non. Nous, on sait où les otages sont. Mais en allant les chercher, si vous nous attaquez, vous allez nous tuer en même temps avec les otages. Ils ont commencé à baisser la garde. C'est pas comme ça qu'ils parlaient au début. Hein. Ils ont commencé à baisser la garde. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Et ils sont soutenus par les États-Unis. Ça devient bizarre. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut prendre ses couilles pour dire qu'il va attaquer l'Israël. Hezbollah fait un peu de malin. Il y a un peu de bisbille avec le Liban. Mais ça, là, c'est rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment, vraiment attaquer le Niger. Et l'Israël. C'est-à-dire quelqu'un qui va lancer quelque chose là-bas. Douin. Pour faire des milliers de morts. Tu as fait ça, tu es mort dans le film. Mais les Américains vont se mettre dedans. C'est pourquoi ils ont envoyé le plus gros porte-avions. Ils ont envoyé ça à côté. Puis ils sont là, ils regardent. Et a fait les devenir bizarre. A fait les devenir glissant. Donc, pour le moment, quand nous on parle là, vous nous boudez. Vous nous narguez. Vous nous insultez. Vous dites qu'on a trahi. Quelqu'un qui a trahi peut tenir les discours que j'ai tenus dans cette vidéo là contre Drama Ouattara. Je peux dire à Drama Ouattara qu'il est venu par la rébellion pendant que j'ai trahi. Est-ce que Johnny Pacheco qui a trahi là? Lui, il peut dire ça, il ne peut pas dire ça. Quand on a trahi, il y a des choses qui ne peuvent plus sortir. Il peut même dire Alassane Draman Ouattara. Il dit Ado, et puis il dit Alassane Ouattara. Parce qu'il a vraiment trahi. Non, je ne l'ai pas trahi. C'est juste mes convictions qui ne vous arrangent pas, c'est tout. Je maintiens que Guillaume Soro demande pardon. Parce que lui-même, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il disait toujours quand il était aux affaires. C'est ce qu'il a dit. Puisque lui-même, il demande pardon parce qu'il était un acteur important et les gens ont été tués. Donc si ça coûte ça, vous allez me donner les 400 vues, les 500 vues par direct. Mais faites. Parce que je vous ai donné ce mois de novembre là. Quand ce mois là finit là, je passe à autre chose. Voilà. Je passe à autre chose. Si je dois parler de la Côte d'Ivoire, je viendrai spécialement pour parler de Babo Laurent et du PPACI. Point. Je viendrai spécialement pour parler de Koudou Laurent Gbagbo et du PPACI. Parce que le livret, il est là. Et c'est ce que le livret dit. Il faut défendre le parti et son président. Point. C'est ce que je vais faire bientôt. Voilà. Mais j'ai décidé de vous donner toutes les facettes de la politique ivoirienne. Et c'est à vous de choisir.
En ce qui concerne Guillaume Soro, si je dois l'attaquer, je ne l'attaquerai pas sous l'angle où vous voulez que je l'attaque. C'est-à-dire, dire qu'il est rebelle, ancien rebelle, et puis ou bien le soutenir concernant une quelconque rébellion ou bien un quelconque coup d'État qui serait en train de préparer, pour lequel Dramat Tram et mes collègues aussi bien activistes, ils sont en train de ils continuent dedans, hein. Ils font des vidéos, oh, Dramat Tram, Dramat Tram, Soro Guillaume au Burkina, Dramat Tram, bientôt c'est sa chute, bientôt c'est terminé. Maintenant, ils vont démontrer un élément. Ils sont en train de s'apprêter. Ils sont en train de faire, comment on appelle ça, des exercices militaires conjoints. Voilà le vrai point. Et ça, plus ce que vous encouragez, ça va endeuiller le pays. Ça, c'est mon point de vue concernant Guillaume Soro. Donc, soit vous me laissez l'attaquer, comme je l'ai commencé depuis le début, soit vous me laissez dire à M. Guillaume Soro d'aller demander pardon. Parce que c'est ce que lui-même il disait ici. On termine ça et puis c'est fini pour la vidéo. Il a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Et même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à... Quand Guillaume Soro dit même Gbagbo mérite, parce qu'il voyait à cet instant précis, il voyait Gbagbo en démon. On est d'accord? Gbagbo était le démon de la Côte d'Ivoire. Le tueur des musulmans et des djoulas de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il pensait vraiment. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans cette phrase. Même à Gbagbo, j'irai demander pardon. Donc aujourd'hui, moi je lui dis qu'il doit aussi demander pardon même à Ado. Donc c'est pareil, je ne suis pas un démon. Aujourd'hui, il voit Ado comme son démon. Il a dit dans son communiqué, il dit « Alassane Dramat Ouattara veut me voir au cimetière. » On est d'accord? Donc il voit Ado comme un tueur en série, un démon de son âme et de sa vie. Mais quand tu as été quelqu'un qui demandait pardon à tout le monde et tu ne criais pas, tu demandais pardon même à Gbagbo. Mais aujourd'hui, il faut demander aussi pardon même à Ado. C'est ça la logique. C'est ça que je peux vous servir sur cette page. Si mes positions ne vous arrangent pas, chers camarades, vous êtes libre de partir. Et je continue toujours de bloquer des personnes, au lieu de parler politique, qui m'insultent. Voilà, des personnes qui passent leur temps à dire que tu es devenu fou, tu es devenu bête, tu es devenu tant, tu es devenu comme ça, tu es devenu comme si. Ça, je bloque. Mais débat politique, même si ça ne m'arrange pas, je laisserai. Regardez mes vidéos, il y a plein qui viennent avec un autre débat contradictoire, je laisse. Mais si tu ne veux plus me voir pour toute ta vie, parce que je ne débloque plus, si tu ne veux plus me voir, essaie donc d'envoyer un autre débat, comme quoi tu es comme si, tu es devenu bête, tu es devenu tant. Je vais te montrer que je suis vraiment bête. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un autre direct. Mais après ce mois de novembre, je ne parlerai plus de ce genre de sujet parce que je ne vais pas répéter les mêmes choses tout le temps. Voilà. Donc, je ne parlerai plus de ce genre de sujet. C'est-à-dire, rébellion ou Guillaume doit demander pardon. Je vais m'arrêter et on va voir l'évolution des choses. Voilà. On verra simplement l'évolution des choses. Et quand on aura un résultat, soit de vos coups d'État qui auraient marché, ou bien soit... d'un pardon qui aurait pas, c'est les deux options. Soit Soro Guillaume fait gros cœur, il se va enlever Dramat Ouattara par les armes, ou soit il demande pardon, c'est-à-dire il négocie. Par exemple, c'est le mot pardon là qui énerve les gens. Donc, si vous voulez, soit il négocie, en bon français on dit des tractations, voilà, il passe par les tractations, il passe par la négociation, il passe par la démocratie, comment on appelle ça là? Pas démocratie, par la diplomatie pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que Monsieur Koudou Laurent Gbagbo était condamné à 20 ans. Les tractations, la diplomatie a eu raison. Jusqu'à même, ils l'ont gracié. Lui-même, il dit, il refuse grâce là. Mais il est rentré, il est encore divin actuellement. Vous voyez? Donc, voici les deux options. Tôt ou tard, une option va rentrer en ligne. Ou soit, lui, il va mourir en exil. C'est tout. Soit il meurt en exil, on ne parle plus d'options. Soit il rentre par la force. Plein de personnes vont mourir. Il va réussir à enlever Dramat Ouattara. S'ils peuvent le faire, bien sûr. Ou soit, il passe par les tractations, la diplomatie, et il rentre en Côte d'Ivoire, et ce dossier est mort. Donc, je continuerai demain, après-demain, jusqu'au 31 novembre ou au 30 novembre 2023. Dès qu'on dit décembre, je ne parlerai plus jamais
de ce sujet. Je laisserai les gens parler. Vous allez vous orienter où vous voulez. Je vais venir avec mon Liptako. Pardon, avec mon Liptako gourmand. Désolé. C'est pas la bière. Ok? C'est Malta Guinness. Vous voyez, vous êtes très fort. Malta Guinness. Voilà. Je viendrai avec mon Liptako gourmand. Je parlerai de mes trois pays. Ou je parlerai du PPACI. Et je m'arrêterai là. Chers camarades, je termine pour dire que je m'en fous des vues. Je m'en fous de l'homme d'abonnés. Même si je dois m'arrêter à 1000, à 124 000. Bon, d'ailleurs même, hier, on m'a dit qu'on atteint les 125 000. Si je dois m'arrêter à 100 000 abonnés durant tout le reste que je passerai sur les réseaux sociaux en parlant politique, mais 100 000, c'est beaucoup. Hein? Il y a plein même que j'ai trouvé qui n'ont pas encore atteint 100 000. Donc, j'en suis fier. Je resterai là-dessus. Mais pour dire que je vais soutenir Guillaume Soro dans le sens où vous le soutenez, je préfère l'attaquer. Parce que quand je vous dis qu'après novembre, je ne parlerai plus de ce débat, ça ne veut pas dire que je ne parlerai plus de Guillaume Soro. Je vais revenir avec mon ancien dossier. Ah oui, je vais revenir avec mon ancien dossier. C'est-à-dire, qui a gagné les élections? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Oh, moi, je vais savoir qui a semé les troubles. Draman dit que ce n'est pas lui. Soro dit que c'est lui. Il dit que c'est lui parce que l'autre l'a demandé à Soro. Qui a financé cette campagne électorale? Cette campagne militaire? Il dit, mais quelle campagne militaire? Mais la campagne militaire, la rébellion, qui l'a financée? Et ce n'est pas du genre, Adraman Ouattara, il n'est pas du genre à financer les rébellions. Il avait son parti politique. Ah donc vous êtes quitté à l'université? Vous étudiants, vous avez financé une rébellion? Qui a acheté les armes? Qui était votre patron? J'étais mon propre patron. J'étais mon propre patron. Mais Alain Foucault, vous savez très bien que depuis l'université, Konan Bédier était président. Et puis nous lui disions nos vérités. Je ne suis pas manipulable. Non, je reviendrai sur ce sujet. Là encore, vous allez m'insulter. Mais je ne serai pas dans la position où vous êtes. Moi, je ne serai pas dans cette position. Ça, il faut le comprendre très bien. Soit je continue dans cette lignée pour que Guillaume Soro demande pardon pour rentrer. C'est ça qui peut arranger la Côte d'Ivoire. Ou soit je demande les comptes. Pourquoi ils ont tué plus de 100 000 personnes? Parce que ça peut arranger nos générations futures pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. On doit découvrir, on doit savoir qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume en sait plus que quiconque, même plus que Draman. Soro Guillaume, il connaît les détails de la rébellion plus que Draman. Il recevait le coup de fil que personne ne pouvait recevoir. Est-ce que vous comprenez? Il sait exactement combien d'argent ils ont mis dans cette rébellion. Combien d'hommes ils ont mis dans cette rébellion. Il connaît le nombre de rebelles dans cette rébellion. Il connaît tout. Qui en Côte d'Ivoire, même parmi les Gbagbo, les pro-Gbagbo, la LMP d'avant, parmi les FPI, il sait qui était avec eux. Qui les trahissait déjà? Il le sait. L'histoire nous dit, les Philippe Mangou, tous les ont trahis les Kasaraté. Voilà. Mais il le sait en détail. Peut-être même, il peut même inculper Guillaume Blé Goudé. Peut-être il peut inculper tout cela. Il connaît beaucoup de choses sur lesquelles ils sont assis et ils font des jeux politiques. Ils font des jeux politiques. Et puis, il y a des gens qui sont à Abidjan, qui sont des mécaniciens, qui sont des apprentis Baka, qui m'en veulent à moi. Moi qui peux venir en Côte d'Ivoire et puis je peux te balancer un petit 10 000. Moi, ton frère ivoirien, tu m'en veux. Pendant que les politiciens font politique. Regardez au PPACI. On nous interdit de dire certaines choses. Quand le mal arrive, on dit, oh, dans notre parti, on n'a pas envoyé quelqu'un pour dire cela. Et c'est pareil partout. C'est pareil, ils ont pris Peter 007. Nous, au moins, on a fait communiquer pour notre gars, Steve Biko Luranga, qui a été pseudonymisé. Voilà. Concernant, je vais profiter en même temps. Concernant, je parle aux pro Gbagbo, voilà, qui ont mal compris mon analyse concernant donc le communiqué. Frère, j'ai été premier 6 fois durant mon parcours scolaire en Côte d'Ivoire. 6 fois. J'ai été premier 6 fois durant mon parcours scolaire. Même en terminale, j'étais premier de classe. J'ai mon cahier de relevé de notes de 6e jusqu'en terminale. Ça y est là, hein, tout est noté, je peux vous te montrer. J'ai même encore mes trucs, comment on appelle ça? Les bulletins ou même quoi là, où on met les trucs là. J'ai ça. Mes moyennes, tout ça, j'ai ça depuis 6e. Et les professeurs sont encore en vie. Les écoles existent. Vous pouvez aller vous renseigner. Même en terminale D. Je dis bien terminale D. Moi, j'étais premier de classe. Et premier dans toutes les matières. Je sais ce que ça signifie, un pseudonyme. Et j'ai compris très bien le communiqué. Mais je l'ai analysé de manière apolitique. Je l'ai analysé de manière citoyenne.
je ne l'ai pas analysé politiquement. Le communiqué, c'est un communiqué politique, purement politique. Vous rentrez dans le cœur de Habiba Touré. Elle est fan de Steve Biko. Fan, entre guillemets, pas à faire de love. Mais elle aime le discours de Steve Biko. Vous rentrez dans le cœur des gens, là. Au PPACI, là, ils sont fans. Même les représentants, ils sont fans. D'après Koukounion Christ, ils d'accordisent. Mais en politique, on ne peut pas le dire, on ne peut pas soutenir. C'est pourquoi ils ont fait exprès de le mettre en deuxième position. Ils ont fait exprès de ne pas connaître son nom. Ils ont mis son Steve Biko, entre guillemets, un homme sur le pseudonyme. Ils ont fait tout ça. C'est politique. Et quand j'analysais, quand je faisais l'analyse de ça, je ne parlais pas politique. Alors, je vais vous dire ici quelque chose. Elle est simple. C'est comme ça que vous n'allez pas vous perdre. Quand vous me voyez habillé de manière responsable, je parle politique. Quand vous me voyez habillé d'une autre manière, je suis citoyen. C'est tout. Mais ce n'est pas parce que je parle politique que je ne dirai pas la vérité. Mais je ne déborderai pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si tu as compris, Dieu merci. Si tu n'as pas compris, Dieu merci. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. À bientôt pour la suite des hostilités. Je vous remercie.